Bonsoir à tous, je suis ravi de vous proposer ce soir une grande première, la retransmission en direct du concours de harpe des Clés d'Or. En effet, les candidats ont souhaité participer aux épreuves en nous faisant parvenir un enregistrement vidéo de leur prestation et les membres du jury ont auditionné puis noté chaque candidat depuis son domicile. Alors me direz-vous, ce n'est pas du tout comparable au stress que génère une prestation publique live. Et je vous répondrai que c'est en effet complètement différent dans la mesure où chacun a la possibilité de s'y reprendre à 2, 3, voire même 10 fois de suite. Mais le jury va juger cette énième fois sans se soucier du bêtisier préalable. Donc chacun est conscient d'envoyer sa meilleure prestation. C'est donc au jury qu'appartiendra le soin de débattre des faiblesses et des qualités de chacun. Alors ce jury que j'ai l'honneur de présider est composé de professionnels de l'art, bien évidemment. Je vous les présente, il s'agit de Isabelle Marie, Iris Torossian, Christophe Sonnière, Odile Abrel et Agnès Caméraire. Place à présent aux auditions, je palpe une certaine fébrilité derrière leur écran de la part des candidats, de leurs parents et même de leurs professeurs. Alors, nous allons écouter dans l'ordre les niveaux débutants première année, seconde année et préparatoire première année. Dans l'ordre, Dimitri Stepanovic, Chani Danou, Martha Mariani, Lucille Fabomamé, Océane Lu, Alexandra Smerdova. Bonne écoute. Je m'appelle Shane Dadou et je vais jouer Apple Pie and Ice Cream de Scalakanga. Thank you.
Bonjour, je m'appelle Lucine Fabot-Mamet et je vais vous jouer Le voyage du magicien Manahan de Roxane Martin. Bonjour, je m'appelle Océane et je vais vous présenter la TGP1. Bonjour, je m'appelle Chaline Dadou et je vais jouer la rêverie de Marcel Grandjani. Bonjour, je m'appelle Alexandra Smerdova, j'apprends la musique au conservatoire de Boulogne-Billancourt. Mes professeurs sont Henri Quebourg et Pascal Schmitt. Je vais vous présenter la dégagée, niveau préparatoire 1.
se passe bien, on peut poursuivre. J'apporte une précision. Le règlement du concours autorise les candidats à se présenter s'ils le souhaitent dans deux niveaux, et ça a été le cas donc pour Océane, et ce sera le cas pour le niveau suivant. Nous allons donc poursuivre, toujours en préparatoire 1, avec Séverine Guérin, Ambre Dubos, Lucie Charles, Margot Demisco, Lucille Fabomamé, donc qui nous revient en préparatoire 1, Thaïs Clément, et en préparatoire 2, Héloïse Corbin. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Séverine Guérin, je vais vous présenter la dégagée à l'art pour le niveau P1 au concours des clés d'or. Thank you.
Charles, je vais vous interpréter Rêverie de Marcel Grandjani pour le niveau P1 des Clés d'Or. Thank you.
Nous allons marquer à présent une petite pause pour permettre au jury de souffler et je vous propose d'écouter quelques candidats qui sont intervenus pour nous livrer leurs impressions. Bonjour, je m'appelle Zoé Petrova et au concours j'ai joué le morceau Famous Blues. Ça m'a plu de jouer ce morceau parce qu'on joue pas souvent le blues à la harpe, c'était assez particulier. Et maman dansait souvent quand je jouais ce morceau, il était joyeux. Bonjour, je m'appelle Séverine Guérin, je joue de la harpe depuis que je suis en CE1, c'est ma troisième année de harpe. Et j'ai décidé de faire ce concours des clés d'or pour le plaisir tout simplement, car je trouve que l'harpe est un instrument magnifique. Bonjour à tous, je m'appelle Nathan, j'ai 10 ans, j'habite en Seine-et-Marne. C'est la première fois que je participe au concours des clés d'or. J'espère que vous aimerez mon morceau. C'est une musique gaie et emballante. Merci à ma professeure Bénédicte de m'avoir fait répéter ce morceau. Bonne chance à tous. Bonjour à tous, moi c'est Lucie, j'ai 10 ans. C'est la deuxième fois que je participe aux clés d'or et cette année, malgré les circonstances exceptionnelles, nous avons tous tenu à participer. Alors je vous invite à vous connecter dimanche 15 novembre sur Facebook à 17h pour cette nouvelle édition de ce concours exceptionnel. Merci à tous, vive la musique, vive la harpe! Et oui, nous avons nos fidèles aux clés d'or, certains reviennent pour la troisième année consécutive. Alors s'ils ont obtenu par exemple une mention très bien avec cette médaille, ils essayent d'obtenir la médaille de bronze, voire la médaille d'argent. Quant à la clé d'or, elle est vraiment, vraiment destinée aux meilleurs. Mais on verra ça tout à l'heure. Nous poursuivons donc avec la catégorie préparatoire deuxième année et nous écoutons Madeleine Guéfas, Océane Lu, Nathan Lombard, Alexandra Smerdova, Blanche Mahé, et dans la catégorie élémentaire première année, Amélia Benalim et Zoya Petrova. Thank you.
Bonjour, je m'appelle Alexandra Smerdova. Je pratique la musique au conservatoire de Boulogne-Billancourt. Mes professeurs sont Henrique Bourg et Pascal Schmitt. Je vais vous présenter Boogie Harp, niveau préparatoire 2. Je vais vous jouer Aquatinte numéro 1 de Bernard Andrès pour le concours Les Clés d'Or, niveau préparatoire 2. Merci beaucoup. Thank you.
Family's Blues. À voter pour votre candidat favori. Nous allons poursuivre avec
Toujours dans le niveau élémentaire première année, Laura Mars Vervial, Philibert Danchin, Louise Anne Rossicon, Clotilde Pouzinc, en élémentaire 2, Michel Cyrano, en moyen 1, Lola Fournier-Aurin et Souveta Rameswaran. À tout à l'heure. Bonjour, Laura Mars Vervial. Aujourd'hui, je vais vous interpréter Family Blues de Jacques François. Bonjour, je m'appelle Philibert Danchin et je vais vous jouer Si j'étais gris de Serge Lanson. Thank you.
m'appelle Clotilde Pouzinck. Je vais vous jouer Si j'étais grille de Serge Lanceny. Je vais vous jouer Les Danses d'automne numéro 4 de Bernard Andrès. Bonjour, je m'appelle Lola Fournier-Aurin, je me présente dans le niveau moyen 1 et je vais vous jouer La berceuse d'Asselmans. Thank you.
suis Suveta Ramesvaren et aujourd'hui je vais vous jouer Air à danser de Marcel Tournier. Nous abordons à présent la dernière partie de ce concours avec les niveaux moyen 2, Adèle Langlois, Lola Fournier-Aurin, Violette Thomas, en diplôme de fin d'études, Victoire Choi, et enfin en supérieur, Lila Suktani, Lucie Robin, Evdokia Roger Boulicheva. Les niveaux montent. Bonne écoute. Thank you.
Bonjour, je m'appelle Lola Fournier-Aurin, je me présente dans le niveau moyen 2 et je vais vous jouer le Voice Sapate de Mozart. Thank you.
Sheva et je vais vous présenter le Haut Matin de Marcel Tournier dans le niveau supérieur. Thank you.
Je suis ravie de faire partie du jury des Clés d'Or de cette année, qui est maintenu grâce à l'organisation formidable de Gérard Ganassia. Merci à tous les membres du jury et à vous les candidats. Il y a eu un niveau formidable. Et puis merci de vous être adaptés à ce nouveau concept qui peut-être va perdurer. Qui sait? À bientôt, au revoir. Bonjour, je suis Iris Torossian, je suis membre de jury du concours de harpe des Clés d'Or qui aura lieu le dimanche 15 novembre. Ce concours ne se passera pas en face à face malheureusement à cause du confinement, mais il a été décidé que les candidats pourront envoyer des vidéos de leurs prestations.
C'était une très bonne chose de maintenir ce concours par le biais de ces envois pour garder la motivation des élèves, garder le but qu'ils avaient depuis quelques semaines. Donc rendez-vous dimanche. Alors, bonjour, moi je m'appelle Christophe Saunière et on est ensemble aujourd'hui pour le concours des clés d'or, le concours virtuel cette année. Tout d'abord, je voudrais féliciter l'ensemble des candidats pour le niveau très élevé qu'on a eu cette année. Bravo à tous, bravo également aux parents et aux amis qui ont encouragé les candidats. C'est toujours très très important de se sentir soutenu. Je voudrais féliciter également pour l'organisation du concours Monsieur Gérard Ganassia, donc le concours virtuel encore une fois. Bon, alors le virtuel c'est bien, la musique vivante c'est quand même beaucoup mieux. Donc on se dit à très bientôt dans les salles de concert et dans la vraie vie. Et c'est en effet ce que nous souhaitons tous, cher Christophe, pouvoir très vite se retrouver pour un nouveau concours des clés d'or en live cette fois, et comme à l'accoutumée, au château de Villemont qui nous accueille déjà depuis de très nombreuses années. C'est l'heure du palmarès. Je vais sans plus tarder vous le communiquer, non sans vous avoir apporté la précision suivante, c'est que les membres du jury avaient à leur disposition différentes mentions correspondant à des notes sur 20. Il y a des mentions assez bien, des mentions bien, des mentions très bien, et enfin le podium avec la mention, la médaille de bronze, la médaille d'argent et la clé d'or. C'est ainsi qu'en niveau débutant 1, Dimitri Stefanovic obtient une mention bien à l'unanimité du jury. En niveau débutant 2, Chani Dadou, mention bien unanimité. Martha Mariani, mention bien à l'unanimité. Et enfin, Lucine Fabomamé, médaille de bronze. Nous passons au niveau préparatoire 1. Mention bien pour Thaïs Clément. Une mention bien à l'unanimité du jury pour Margot Demisco. Mention très bien pour Lucine Fabomamé ainsi que pour Lucie Charles. Le podium à présent. Médaille de bronze pour Ambre Dubos et Alexandra Smerdova ex aequo. Médaille d'argent pour Séverine Guérin. Et enfin, clé d'or, sous vos applaudissements, pour Océane Lu. Bravo Océane pour cette merveilleuse récompense. En niveau préparatoire 2, mention bien Blanche Maé. Mention bien à l'unanimité du jury ex aequo Héloïse Corbin et Madeleine Kefas. Mention très bien, mais avec une médaille de bronze cette fois, Océane Lu et Alexandra Smerdova. Et enfin, clé d'or pour Nathan Lombard. Bravo, bravo. En niveau élémentaire 1, nous avons une mention très bien pour Amélia Benaïm ainsi que pour Zoya Petrova. Médaille de bronze ex aequo Louise Anne Rosicon ainsi que Philibert Danchin. Et médaille d'argent pour Clotilde Pouzinck et Laura Mars Vervial. En élémentaire 2, Michel Serrano obtient une mention assez bien. En niveau moyen 1, une médaille très bien. Une médaille, oui, parce que la mention très bien a également une médaille. Donc c'est une mention très bien pour Lola Fournier-Aurin et une médaille d'argent pour Souveta Rameswaran. En niveau moyen 2, mention bien pour Lola Fournier-Aurin, mention très bien Adèle Langlois et médaille de bronze pour Violette Thomas. En niveau diplôme de fin d'études, mention bien à l'unanimité pour Victor Choi. Et enfin, en supérieur, le jury n'a pu départager les trois candidates de ce niveau. C'est ainsi que Lila Souktani, Lucie Robin et Evdokia Roger Boulcheva obtiennent toutes les trois la médaille d'argent. Voilà pour la lecture du palmarès. Félicitations à tous ces candidats qui se sont véritablement investis pour la réussite de ce concours. Bravo à vos professeurs. Un grand merci aux membres du jury qui également ont pris à cœur
de participer à ces épreuves un petit peu spéciales. Mais gageons que très très vite, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons nous retrouver dans une salle, une véritable salle, pour passer un concours digne de ce nom. Et enfin, merci à nos partenaires qui nous suivent depuis le début. Je veux parler des harpes Kabak et des harpes Selvi. Merci à vous tous, un grand bravo, bonne continuation et continuez à bien prendre soin de vous. Très bonne fin de soirée.